Yo, check this out. Dans l'émission Le Jeu en Jeu, une émission sur le thème des jeux vidéo dans lesquels on va parler aujourd'hui de deux notions, la notion de technique couplée à celle de travail. Donc avec les invités que je vous présente dans quelques secondes, juste après ce petit jingle. Alors avant toute chose, comme d'habitude, on va souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs sur Radio Campus Rouen 92.9. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet radiocampusrouen.fr. Alors pour cette émission du Jeu en Jeu, je serai accompagné aujourd'hui de Thomas. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Avec nous, elle est revenue, elle est de retour. Et oui. She's back. Lise est de retour avec nous, donc on aura aussi le droit à une chronique tout à l'heure de la part de Lise. Bonsoir. Bonsoir Lise. Et puis comme toujours, le maestro à la technique, qui va peut-être se faire plaisir ce soir, Baptiste. Bonsoir Baptiste. Et bonsoir à tous. Alors, moi je voulais vous proposer ce thème d'émission ce soir parce que bon, déjà ça faisait un peu lien avec l'émission précédente. On avait parlé de langage, donc on peut considérer que d'une certaine façon le langage c'est déjà peut-être une forme de technique, mais je voudrais avant qu'on ouvre vraiment le débat faire un petit préambule, on va dire, sur un petit peu sur les notions. La technique, en fait, ça pose quand même un certain nombre de conditions, puisqu'en fait, quand on développe une technique, c'est dans le but de réaliser quelque chose de bien précis. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, on a un besoin qui est allumer un feu. Donc ça, c'est, on va dire, le but à atteindre. Il faut des conditions à respecter, avoir les matériaux pour, des silex, du bois. Et on a une méthode à mettre en place. C'est-à-dire que si on entrechoque le bois, bah, ça ne va pas marcher. Il va falloir entrechoquer les silex pour éventuellement que les brindilles sèches s'allument. Donc tout ça, ça nécessite un temps d'observation et ainsi qu'un apprentissage, je dirais, de notre environnement. Il est assez courant, assez admis, de dire que il n'y a pas de travail sans technique et que la technique précède toujours le travail. Que ce sont du coup deux notions qui sont plus ou moins liées. Pour autant, il me semble qu'il y a parfois d'autres cadres que le travail où on peut avoir recours à des techniques, de la technique ou des techniques. Et il me semble que c'est le cas dans le jeu vidéo. Donc moi je voulais voir avec vous effectivement si on peut penser que le jeu puisse se passer de technique. Est-ce qu'il y a des jeux sans technique? Est-ce que quand on joue juste pour le fun, par exemple, on se passe de technique? Voilà, c'était un petit peu moi ce que je me suis demandé en préparant cette émission. Donc je vais vous laisser intervenir à tour de rôle. Qui veut commencer? Thomas. Pardon. Oui, c'est une notion assez vaste quand même, la technique dans le jeu vidéo. Est-ce que tu parles aussi des techniques, par exemple, dans un jeu de combat quand on utilise une technique spéciale, par exemple? Alors, voilà, moi Hadoken, je ou... quand l'idée c'est voilà de vous laisser exprimer, déjà que peut-être qu'on justement on arrive à identifier qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on peut mettre sous le coup de la technique, en fait. Effectivement, là, tu parles des techniques spéciales quand on lance une boule de feu, par exemple, dans un jeu de combat. Effectivement, on peut identifier ça à de la technique, mais est-ce que finalement tout n'est pas technique ? On peut peut-être justement réfléchir là-dessus, en fait. Alors, moi, de mon côté, je pense que la technique, les techniques, elles sont tellement automatisées que même si on se dit non, mais je fais juste que jouer, on est quand même amené à mettre en place des techniques d'observation, par exemple, dans certains jeux. Donc, le point of click, on a des techniques d'observation. Dans d'autres jeux, il faut observer à minima son environnement pour pouvoir savoir quel personnage on va aller voir, de quel outil on a besoin. Tout simplement, la planification aussi, des techniques de planification pour se dire, bon, ok, je joue, mais j'ai quand même envie d'aller d'un point A à un point B, et si je passe par ce chemin-là, j'ai pu apprendre que j'allais aller plus vite, et plus je vais vite à cet endroit, ou même à des points de sauvegarde parfois, plus je vais pouvoir maximiser le fait de jouer. Donc toi, Alice, si je comprends bien, tu tombes un peu sous le coup de la définition de la technique, c'est-à-dire que t'observes ton environnement, élabore une méthodologie, on va dire. Ouais, on peut dire ça. Et effectivement, tu parles en maximisant, tu mets en évidence effectivement un but à atteindre de la façon la plus optimale possible, en fait. C'est ça. D'accord. Ouais, c'est un peu l'optimisation du temps de jeu en tant que tel. Et tu parlais du coup de technique dans le fait de s'amuser. Là tout de suite, il n'y a pas grand chose qui me vient à ce sujet là dans les jeux de combat, puisque c'est un exemple que tu citais. Oui. On reproche souvent qu'il y a des joueurs qui jouent sans technique. Moi, les spammers de boutons, par exemple, j'en fais partie. Qui sont des gens qui toi tu t'es exercé, t'as fait le tuto, t'as fait des centaines d'heures sur ton jeu, tu as pratiqué le Hadouken ou autre. sauf que il va falloir faire un quart de tour plus des boutons pour le faire, et tu vas tomber sur un adversaire qui lui va se contenter de cliquer sur une touche, donc c'est ce qu'on appelle le spam, et qui va te battre. C'est tellement sympa. Franchement, c'est kiffant quand à un moment donné tu découvres qu'en appuyant sur plusieurs touches à la fois, tu peux faire un combo que t'avais jamais vu, quoi. Je trouve ça génial. Enfin, moi, c'est génial de toujours faire la même chose, d'ailleurs. C'est ça. Comme ça tu gagnes plus facilement au final. Ouais, ça marche aussi dans les jeux de tir, par exemple. Là, je pense à Call of Duty. Il y a le même exemple avec les campeurs, justement, qui t'as des personnes qui travaillent bien leur stuff, qui travaillent bien leurs armes, tout ça. Et t'as une personne qui arrive avec un sniper qui est niveau 1 et qui les headshot de loin et qui bouge pas de toute la partie. Ça peut être assez énervant aussi. Mais après, ça peut être une façon aussi plaisante pour la personne qui le fait. Ça peut être une façon plaisante de jouer. Après, je pense que sans technique, c'est sympa une fois. Ouais, ça devient vite répétitif. Mais ça devient vite répétitif. Et même si, voilà, c'est amusant, on va avoir tendance à se dire j'ai pas envie non plus de rester uniquement sur cette phase de hasard, en fait. Et si j'ai vraiment envie d'avoir une expérience de jeu, je vais être obligée d'apprendre des techniques pour pouvoir jouer réellement. Ouais. Ouais. Je me permets d'aller vers Baptiste, parce que je pense que toi aussi, tu es sur Fortnite en ce moment. Hein. Oui, mais plus trop en ce moment, parce que ça m'a un peu, pas dégoûté, mais vu que j'ai un bas niveau encore, mais... tu meurs tout le temps, quoi. Et oui, c'est vrai, c'est très technique. Parce que la dernière fois, je me rappelle que dans l'émission du langage, tu as évoqué la question de difficulté parfois de compréhension au niveau de la carte, mais il y a aussi des techniques de repérage, de lecture de carte. Et il y a même aussi des techniques de gameplay, parce que tu dois construire des murs, des escaliers et tout pour te faire protéger ou pour atteindre d'autres cibles plus loin. Et ça, c'est des techniques à apprendre. Et pour mes potes, c'est inné, tu vois. Il faut, moi, on construit, allez, hop, c'est tout de suite. Tandis que moi, faut bien placer le mur et tout. Tandis que eux, ils te le font tout de suite, quoi. Et ça, c'est très technique, quoi. Il faut l'apprendre, quoi. Pour moi, c'est dans l'apprentissage. Et aussi, t'as d'autres, même en, moi, je repasse sur d'autres jeux. T'as même dans les jeux de voiture.
si tu conduis une voiture et une autre, c'est pas la même technique. En fait, moi, la technique, je l'associe au gameplay, en fait. Ouais. Oui, donc effectivement, alors, ce que tu mets en évidence, c'est aussi intéressant parce que ça rejoint un peu ce que disait Lise. Enfin, je reprends surtout le début de ton intervention, c'est le fait que t'es abandonné Fortnite. Ouais. La difficulté, en fait, qui visiblement se pose, c'est le temps d'apprentissage, la maîtrise, pour atteindre un résultat. Toi, tu évoquais tout à l'heure, Lise, effectivement, cette idée d'optimisation et d'atteinte de résultats, en fait, quand on parle de technique. Et effectivement, on peut se demander si, finalement, et là, je reviens sur ton cas, Baptiste, il n'y a pas, à un moment, surtout peut-être dans les jeux collectifs, une sorte de division des tâches où chacun doit avoir sa technique pour pouvoir jouer et être complémentaire. Oui, c'est comme le healer dans... Moi, je joue à Paladin aussi. Paladin, c'est comme Overwatch, en gros. Et pareil, dans Overwatch, ou Paladin, le jeu, là, t'as des techniques de chaque personnage que tu dois savoir. T'as celui-là qui fonce, t'as celui-là qui... Bah, le tank, quoi, pour moi. Et le healer, qui est là en protecteur. Et tu dois savoir tout ça, tu dois savoir. Pour avant de jouer. Ouais, donc on a vraiment aussi un... Je fais ce parallèle-là parce que, bien entendu, comme je l'ai dit au début, technique est liée à travail, en fait. Et on est aujourd'hui dans des sociétés où le travail... Enfin, il y a eu une division du travail, un morcellement du travail. Je pense principalement au monde industriel, où chaque personne a une tâche bien précise, mais qui va, au final, va aller vers un but... qui est commun, même si l'ouvrier en début de chaîne ne voit pas forcément le résultat de sa production. En général, il peut toujours, quand on travaille chez Renault, on peut toujours acheter la voiture qui sort en bout d'usine, mais on ne voit pas toutes les étapes. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, dans le cadre du jeu vidéo, en tout cas peut-être plus le jeu vidéo du type auquel joue Baptiste, donc un peu plus compétitif, multijoueur. Top, ouais. On a effectivement ce côté métier avec technique spécifique pour chaque joueur, donc compétences spécifiques aussi, et du coup qu'on est amené à avoir ce côté un petit peu parfois abandon, quand abandon d'un poste en tout cas, quasiment au sens du travail aussi, abandon d'un poste quand on n'a pas la technique et les compétences pour, je dirais, assurer le poste, en fait. Mais du coup, à se créer ce genre de technique, est-ce qu'on ne perd pas un peu du but premier du jeu, qui est vraiment s'amuser en soi? Parce que là, ça devient une compétition, ça ne reste plus un jeu, on n'est plus dans l'amusement en tant que tel. Moi, je trouve qu'avec cette vision-là, tu réduis aussi le fait qu'en étant enfant, tu joues, mais tu apprends. Et c'était 24 sur 24 en étant enfant dans un apprentissage où au final quand tu apprends à poser tes cubes, t'apprends les proportions, c'est-à-dire que pour moi dans chaque jeu il y a une possibilité de transfert de compétences, et tu as à un moment donné tu vas jouer, et ce que tu peux apprendre dans un jeu peut être utilisé dans un autre contexte. Donc je pense que c'est juste la forme qui va changer, mais sur le fond, tu auras toujours appris quelque chose. Tu peux choisir de faire de la chose que tu as appris un futur travail ou une technique, ou juste dire c'est un loisir. Je pense que c'est effectivement un chemin différent, mais la base est l'apprentissage. Oui, alors si je reprends, en fait, c'est... Tu vois ce qui peut se développer dans le jeu, comme des, même si on ne donne pas forcément toujours le terme technique, comme au moins des compétences transversales qui pourraient effectivement passer du jeu à la, ouais, à la sphère professionnelle, et éventuellement dans certains cas. C'est ça. D'accord. Mais justement, parce qu'on a parlé là, effectivement, on a été directement un peu sur le terrain tout à l'heure du multi. Est-ce qu'il n'y a pas des jeux, parce qu'on peut peut-être se dire qu'en solo, on est moins contraint à ça,
C'est juste le gameplay. Nous-mêmes, on n'a pas assumé un rôle par rapport aux autres, à satisfaire aussi ce que veulent les autres, hein, parce que quand on joue à plusieurs, on a aussi la pression sociale, la même qu'on peut retrouver dans le travail. Est-ce que quand on... Ah, dans certaines guildes... Oui, enfin, j'aurais plutôt utilisé le mot groupal que social. Ouais, peut-être pas social, mais ouais. Mais est-ce que sur des jeux solo, par exemple, vous n'avez pas à un moment été tenté, ou même est-ce que vous n'avez pas tout simplement abandonné ou été frustré par certains jeux où le niveau technique était demandé ou requis pour accéder, rentrer au jeu ou avancer ou même le finir, est-ce que ça y a pas des jeux comme ça qui vous ont bloqué? Alors moi j'ai un exemple, mais c'est mon premier jeu de PlayStation sur lequel je me suis vraiment rendu compte que j'avais aucune coordination, et c'était Fourmise. Alors c'est un jeu en soi qui n'est pas difficile, mais j'ai toujours eu des difficultés à utiliser une manette, et c'est là que je me suis rendu compte que pour que ce soit amusant, il faut que ce soit accessible. Et en tout cas, moi, pour Fourmise, j'ai jamais pu passer le niveau 1 et j'en suis encore traumatisée, en fait. Ouais, c'est assez récurrent. Moi, ça m'était arrivé avec sur PS1 aussi. D'ailleurs, c'était avec le jeu Toy Story, où moi, j'étais resté bloqué au niveau 1 parce que j'arrivais pas à battre juste... On a une scène dans le garage où on doit courir après, on doit faire une course avec la voiture de Toy Story, et j'arrivais juste pas à la rattraper. C'est le genre de petit truc qui te fait quitter le jeu. C'est peut-être une difficulté à laquelle on s'attendait pas à la base, et qui nous pop directement dans le visage. Et du coup, moi, en tout cas, moi, ça, quand il y a trop de difficultés que je trouve pas forcément cohérentes dans un jeu, j'ai tendance à décrocher du jeu directement. Par exemple, un Dark Souls, je vais pas m'y intéresser. Parce que Dieu. C'est pas une difficulté cohérente et une difficulté qui te donne envie d'avancer. C'est plus le jeu qui te tape dessus. C'est punitif. C'est ça. Et puis, j'ai pas envie de me faire punir par un jeu, j'ai envie de m'amuser plus qu'autre chose. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que si on apprend des techniques pour avoir ce challenge, mais que c'est cohérent avec l'univers, avec l'histoire, et que c'est pas juste te prendre un mur pour te prendre un mur, là tu vas prendre du plaisir. Si c'est une punition, ça vient là, tu sais pas pourquoi, c'est là que ça devient compliqué. Et d'autres vont être un peu maso. Hein. Pour moi, pour jouer à Dark Souls, faut être maso. Hein. Oui, ça. Ou il faut avoir une envie de se dire qu'on est sur un jeu qui va être élitiste, ou parce qu'on a atteint un certain niveau, on va avoir envie d'un jeu qui va nous demander encore plus. Mais je pense que c'est aussi pour ça que certains vont aimer les jeux old school. Où le niveau de difficulté et les bugs, tout simplement les bugs graphiques, vont amener une difficulté qui n'est pas présente dans les jeux actuellement. Oui, c'est vrai que t'as raison de le souligner. Il y avait une difficulté qui semblait légèrement, enfin pas légèrement, pour certains, beaucoup plus élevée que les jeux actuels. Mais comme tu as bien raison de le noter, c'est une difficulté qui soit était artificielle parce qu'il y avait beaucoup moins de jeux qui sortaient par mois à l'époque, donc il fallait que les jeux durent, faut que les gens aient des jeux qui avec lesquels ils jouent longtemps, en fait, une durée de vie, voilà, alors que c'était des jeux très courts de base, hein, s'ils avaient été bien faits, et ou des jeux effectivement qui étaient très longs parce que mal programmés, avec des bugs un peu partout. Ça c'est vrai que c'est un point qu'on peut noter, mais pour autant ça nous renvoie effectivement à toujours à cet écart, en fait, dans lequel faut se situer entre le besoin de challenge, parce que la technique se situe, j'ai l'impression, un petit peu là, entre le besoin de challenge mais aussi un challenge qui soit suffisamment accessible pour pas tomber dans la frustration, finalement. Totalement. Ouais, qui est aussi une certaine forme de récompense derrière aussi, quoi. Et qui te donne envie d'avancer. Moi, j'ai l'exemple du jeu Dead of Defeat, je crois, ou Dead,
mais j'arrive pas à retrouver le nom en anglais. Je pourrais pas t'aider sur celui-ci. Donc c'est un jeu de shoot sur le principe de la Seconde Guerre mondiale avec un multijoueur. Et c'est un jeu, il y a quelques années, j'ai essayé de jouer et c'était une catastrophe. Et une fois que j'ai trouvé la bonne arme, bon, la bonne souris et le bon ordinateur aussi, ça aide. je sais que j'ai pu vraiment m'éclater parce que j'arrivais à trouver une carte et une manière de faire un jeu de shoot sans être trop frustrée. Donc il y a aussi, je pense, à un moment donné, certaines barrières qu'on peut se mettre parce qu'on se dit non, mais j'ai jamais été douée à ce type de jeu, donc je ne vais pas avoir envie d'apprendre les techniques, parce que je pense que ce qui est inhérent au jeu, c'est l'envie. Et ça, c'est important de se dire, oui, je fais du jeu vidéo parce que j'en ai envie, et pas parce que je suis obligée. Je pense que dans le travail, enfin, la racine étymologique de travail, c'est quand même tripalium, ce qui signifie torture. On est dans une obligation. Le travail est en grande partie quelque chose d'alimentaire. Si demain on vous dit tu as tant par mois et tu ne peux ne pas travailler, je pense que on aurait peut-être envie de faire autre chose, effectivement. Et dans les jeux, il y a cette notion de après le boulot, j'ai envie de jouer parce que j'ai envie de faire quelque chose que je choisis et non pas que je subis. Il y a aussi, effectivement, tu as raison, cette notion de pouvoir en sortir, de pouvoir, tu l'avais évoqué dans une autre émission, dans l'une des premières émissions, de pouvoir dire stop, quitte à lancer la manette, mais aussi de pouvoir éteindre la console. Totalement. Je vois que l'heure tourne, tout se passe vite. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est avant de poursuivre dans l'émission, c'est de passer un petit peu de musique, hein, parce que sur Radio Campus Rouen, on passe aussi de la musique, donc je vous rappelle, on est toujours au 92.9. Et ce que je vais vous proposer d'écouter, c'est que je ne dise pas de bêtises. Alors c'est un titre de Peggy Lee, une chanteuse américaine des années 20, qui s'appelle I'm Confessing That I Love You. C'est un titre qui a été intégré au jeu Ellen War développé par Rockstar. Donc je te laisse la main, Baptiste. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, I do. Need you every hour. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? Oh, I'm afraid someday you leave me, saying, can't we still be friends? When you go, you know you grieve me. All my life on you depends. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over again. Thank you.
saying, can't we still be friends? When you go, you know you grieve me. All my life on you depends. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you all over again. Nous sommes de retour sur Radio Campus Rouen 92.9. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet de radiocampusrouen.fr. Donc on a commencé cette petite émission en parlant du thème de la technique et un petit peu du travail lié aux jeux vidéo comme d'habitude. Mais là je vais me taire et puis je vais laisser place à Lise qui est revenue pour sa petite chronique juste après son petit jingle. Me revoilà. Travail et technique dans les jeux vidéo. Tout un programme que l'on pense très peu académique ou scolaire quand il s'agit de jeux, alors qu'au contraire, il est pour moi beaucoup plus lié au travail et à la technique qu'on peut le croire au départ. N'en déplaise aux médisants, on apprend en jouant du bac à sable à la PlayStation en passant par l'iPhone, le jeu se déguise en joyeux luron pour nous divertir, mais pas que. Certains se souviendront comme moi d'Adibou qui me faisait réviser maths, français et anglais dans son vaisseau spatial. Pour d'autres impatients, il faut maîtriser la langue de Shakespeare pour profiter de son jeu préféré avant tout le monde. Et ouais, il y en a certains, et j'en connais plus d'un, qui ont appris l'anglais, bon parfois peu adapté au monde actuel, mais qui ont par exemple pu acquérir de l'anglais médiéval, alors que clairement pour demander un burger à Londres, c'est pas ce qui est le plus aidant. Attendez, je m'égare. Je vous parle d'apprentissage plus que de travail. C'est là que ça se complique et pourtant c'est si logique. L'apprentissage permet d'acquérir des techniques de planification, de résolution de problèmes qui peuvent se transférer facilement d'une activité travail à une activité loisir et vice versa. Sans oublier tous ces joueurs qui sont devenus des... Excusez-moi. Je suis de retour de vacances et c'est très compliqué. Je crois que j'ai encore une partie de moi qui est juste à côté du palmier. Donc, je reprends. Sans oublier tous ces joueurs qui sont devenus grands et qui utilisent le jeu vidéo dans leur travail. Je pense par exemple aux psychologues qui utilisent la réalité virtuelle pour aider des personnes phobiques, par exemple. C'est beaucoup mieux d'imaginer dans un premier temps une araignée en réalité virtuelle que tout de suite à côté de soi. Mais aussi des jeux qu'on peut développer pour les enfants souffrant d'hyperactivité, par exemple. Sans compter les joueurs professionnels qui font du loisir, de beaucoup d'entre nous, un métier. Alors, travailler pour jouer ou jouer pour travailler, à vous de décider. Merci. Alors merci Lise pour cette chronique. Comme tu vois, le public est en émoi. Je n'en attendais pas tant. Donc moi, je la découvre hein, très souvent. J'ai l'occasion de la lire au préalable. Là, je la découvre. Donc j'aurai peut-être quelques petites questions, mais je vais peut-être laisser intervenir soit Thomas, soit Baptiste, si vous voulez dire quelque chose. Sinon, je me lance.
Moi, je suis plus, de mon côté, en tout cas, je suis plus familier à tout ce qui est sport, tout ce qui est les personnes qui ont pris le jeu vidéo pour en faire un métier. On appelle ça, on a tendance à appeler ça l'e-sport. On considère ça aussi comme un sport. Il y a des commentateurs, il y a des joueurs professionnels, et je trouve ça beau quand même que des gens ont pris leur passion d'enfance et l'ont transformé en métier et peuvent s'en amuser tous les jours. Voilà. Alors moi, là où je vais revenir, et puis ça va me permettre de faire le lien avec la seconde partie de l'émission, c'est ce sur quoi t'as, comment t'as construit ta chronique, en fait. C'est-à-dire que t'es parti vraiment sous l'angle de l'apprentissage, et progressivement tu as fait passer l'idée que l'apprentissage occasionnait ou permettait de développer la technique ou les compétences, et ensuite effectivement tu en es venu vers le travail et aussi cette transformation du jeu en des formes de travail que peuvent être effectivement, comme le disait Thomas, l'e-sport ou autre. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, et là on va peut-être rentrer plus dans la partie travail que dans la partie technique, on oppose souvent le travail au jeu, et là tu évoques des cadres où ils sont liés. Et ce qui me vient en tête, c'est quand je dis ça, c'est que très souvent on oppose le sérieux du travail au côté un petit peu ludique du jeu. On oppose aussi, et c'est ce que j'avais plus ou moins envisagé dans ma deuxième partie, le côté volontaire du jeu au côté contrainte. Tu veux rappeler tout à l'heure l'étymologie. Alors trivium, ça a vérifié, mais il y a un grand débat étymologique sur la nature du mot trivium, et ça serait possiblement beaucoup plus contrainte que torture, mais il y a cette idée là quand même qui est derrière. On oppose aussi souvent le jeu parce qu'il peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, abandonné sans que ça occasionne grand chose, alors que le travail nécessite effectivement une productivité importante. Abandonner le travail, c'est échouer, c'est ne pas, c'est faire un travail qu'on abandonne, c'est un travail qui a été improductif. On nous permet pas ça quand on est au boulot, quoi. En général, on a des attentes de la part de nos responsables. Donc tout ça fait que on a l'impression que jeu et travail sont deux domaines bien cloisonnés, bien distincts. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ta chronique, et c'est là-dessus que je voulais qu'on développe un peu la deuxième partie, c'est est-ce que cette distinction entre travail et jeu, elle est aussi franche que ça? Et moi, j'avais pensé à un exemple que vous connaissez bien, parce que bon, je pense que je ferai pas une grande révélation en disant ça, vous me le permettrez, c'est que vous faites tous du théâtre. Et ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est que c'est un jeu. On joue son texte, mais avant de jouer, on travaille son texte. Et moi, je voulais un petit peu avoir votre avis comme ça sur cette opposition qu'on a continuellement entre la notion de jeu et de travail, en fait. Ok. Alors, concernant le théâtre, je pense que tout dépend de ce qu'on recherche dans cette activité. Même s'il y a une phase travail, je pense que c'est un travail plaisir. Et pour certains, je pense que... Moi, je sais que j'ai une vision du théâtre très ludique, et mon objectif, c'est avant tout de rire et de partager avec mes compagnons de troupe. Et pour d'autres de cette même troupe, il y aura une notion peut-être un peu plus importante d'accomplissement ou de volonté de développer une créativité, de développer un art, une œuvre que moi je développe, je n'ai pas le souhait de développer. Donc je pense que comme pour tout, on va y chercher ce qu'on souhaite y trouver.
Je pense que pour certaines personnes qui vont pas forcément s'épanouir dans leur travail, peut-être, vont peut-être chercher un accomplissement et un travail plus important dans des activités de loisirs, ou ont une personnalité qui les amène à vouloir s'investir de façon sérieuse, entre guillemets, et de façon importante dans toutes les activités de leur vie. Mmh. Et donc je pense qu'il y a effectivement autant de manières de voir les choses que d'envie. Après, tu parlais aussi de cette notion de différencier travail et jeu. Je pense qu'effectivement, il y avait un certain nombre de stéréotypes, et ils sont toujours là sur le jeu vidéo comme quelque chose d'inintéressant. Enfin, on l'a entendu souvent. Après, je pense que c'est quelque chose qui est réellement en train d'évoluer. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, on est dans une vision du travail qui est très différente d'il y a 20, 30 ou même encore 10 ans, où on va rechercher dans le travail un accomplissement et un épanouissement qu'on ne recherchait pas avant. Il y avait cette notion purement pécuniaire où 9h-17h, je gagne temps et je ne cherche pas à aimer ce que je fais. Je le fais parce que je dois le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, en tout cas en France, il y a cette notion de mon travail doit être aussi une source de plaisir, ce qui peut aussi amener d'autant plus de souffrance, puisque nos besoins ne seront pas forcément en concordance avec les réalités d'un monde de l'entreprise. Oui, bah je pense que t'as réussi à résumer une majeure partie des choses que je pense. Il y a aussi, à côté de ça, un côté de... Si jamais on arrive à gagner de l'argent avec notre passion, avec ce qu'on aime, par exemple, si on a toujours voulu devenir chanteur et qu'on devient chanteur professionnel, qu'on arrive à en vivre et tout ça, on puisse perdre aussi la passion du chant, ce qui serait dommage de juste rentrer dans un côté travail et dans un automatisme où on perdrait toute la passion et toute l'envie. Et c'est aussi un des risques de vivre de sa passion, c'est de perdre un peu la professionnalisation. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent chez les gens qui font de l'e-sport, par exemple. En fait, ils sont privés de jouer aux jeux auxquels ils veulent jouer, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un, je vous donne un exemple concret, quelqu'un qui fait du League of Legends à un niveau e-sport, il ne joue qu'à League of Legends. Il n'a pas l'occasion de jouer à autre chose. Et c'est des séances de... Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est au moins des séances de 6 heures par jour. Et c'est, je pense, beaucoup plus que ça. Ils sont coachés, ils doivent avoir comme un sportif, comme un... Je sais pas, un mec qui fait du foot, ils doivent avoir une hygiène de vie aussi, etc., etc. Et c'est très contraignant. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont d'anciens joueurs e-sport qui... En tout cas, ont un peu pas développé un dégoût pour le jeu vidéo, mais on le dit eux-mêmes. Il y a eu une période où ils ont joué sans la passion et où ils n'appréciaient plus jouer. En fait, c'était vraiment le travail au sens de contraintes, en fait. Ouais, c'est aussi en partie à cause de la communauté qui se sont créées, parce que leur communauté, si eux ils veulent se diversifier dans ce qu'ils font, faire un autre jeu par exemple, passer du LOL à du Call of, la communauté va pas suivre forcément. Ils suivent pas forcément ils suivent la personne pour ses performances, mais pour ses performances dans ce jeu-là. Et sa technique. Et sa technique. Et du sa coup. Technique. On y revient. Je pense aussi que Baptiste, tu voulais dire quelque chose. Je pense aussi qu'effectivement, il y a ce côté, ça devient une contrainte et on est là aussi sur un aspect purement rémunérateur. Enfin, ça devient un métier. Mmh. Et je pense que comme dans tout métier, et d'autant plus sur un métier où on est passionné, on en attend d'autant plus de sa passion qu'on peut attendre
d'autres choses. Je pense notamment au joueur du grenier, qui est un YouTuber qui justement parle beaucoup de jeux vidéo et a fait de son métier, de sa passion son métier. La dernière fois que j'ai vu une vidéo de lui, je l'ai trouvé très fatigué. Et je pense que au bout de 10 ans, et c'est mon cas à peu près, où on fait des choses, où on a une certaine exigence et où on a aussi des attentes qui sont pas forcément en concordance avec les envies d'un public, on a cette chape de plomb qui nous amène à avoir transformé un certain nombre de choses et à peut-être être plus fatigué parce qu'on en attend vraiment beaucoup de quelque chose qui est devenu notre vie en fait. Et dans l'e-sport, tu me montres bien que les mecs ne font que ça. Oui, oui, c'est le problème et c'est justement là-dessus que je voulais vous amener. Alors, malheureusement, le temps passe toujours très vite, donc on développera pas beaucoup plus, mais c'est vraiment là-dessus que je voulais vous amener parce que effectivement, j'ai l'impression que les frontières se brouillent parfois entre jeu et travail. Et ce qu'a c'est, je finirai là-dessus parce que ça rejoint bien aussi ce que tu disais tout à l'heure, Lys, c'est que on a pensé à une époque que les machines, la technologie, donc des techniques, mais au sens vraiment poussé, était suffisamment développée, elle pourrait remplacer l'homme au travail et l'homme pourrait jouir de ses loisirs comme bon lui semble. Et après réflexion, c'est un petit point culture, on va dire, une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt s'évertue à croire que bien même si on arrivait dans ce type de société, ça serait très compliqué parce que le travail lui-même a évolué, a changé, comme tu le disais tout à l'heure, et aujourd'hui travailler, ça fait partie d'un mode de vie, peut-être aussi d'un équilibre, et du coup l'idée d'une société où le travail serait relégué aux machines et l'homme serait un pur homme de loisirs est un peu utopique en fait. Donc voilà, je voulais rebondir sur ton propos de tout à l'heure en finissant par ceci. Alors sur ce, moi ce que je vais vous proposer, c'est de refaire encore une pause musicale. Cette fois avec un titre qui est alors un peu particulier en fait. Il est issu d'un trailer d'un jeu qui a été développé par c'est compliqué à dire. For E-Game, voilà, c'est un jeu qui s'appelle Metro Exodus, ça a été composé par John Murphy et le titre c'est In the House in a Heartbeat.
Nous sommes de retour sur Radio Campus Rouen 92.9. On souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs qui nous rejoindraient dans cette dernière partie d'émission. Je suis toujours avec Lise, Thomas ainsi que Baptiste pour parler de la notion de technique et de travail en lien avec les jeux vidéo. Donc moi, dans cette dernière partie, je vais vous proposer de s'intéresser à un autre aspect, mais qu'on a déjà un petit peu abordé, puisque on a parlé de ce flou qui se mettait en place entre les deux cadres. Et moi, j'avais prévu de vous demander un petit peu, est-ce que on se sert pas un petit peu du jeu aujourd'hui aussi? Alors je dis pas que c'est un complot, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on est quand même dans des sociétés qui ont une tendance forte à nous pousser à être de bons travailleurs. On nous éduque dans cette voie-là, hein, on nous éduque pas à être oisifs. Moi je me demandais si effectivement on n'est pas dans une société qui a tendance à se servir un peu des jeux vidéo pour renforcer un peu notre attrait par rapport au travail. Je pense au serious game, à essayer de rendre le travail un peu plus amusant. Tous ces jeux où finalement c'est des jeux où on nous demande de travailler. Je pense à Farming Simulator. La dernière fois, on a parlé dans une autre émission, dans le cadre d'un quiz, de Paper Please, etc., etc. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, peut-être pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais il y a pas mal de jeux qui sont pensés comme des jeux où on nous demande de travailler. Ouais, moi j'en ai un en tête là. C'est sur 3DS. 3DS s'appelle Fantasy Life. Fantasy Life. En gros, d'accord. Tu choisis ton métier. C'est un monde dans un monde fantastique, bien sûr. Et tu peux être soit bûcheron, pêcheur, chasseur, inquisiteur, forgeron, même alchimiste. Et tout ça, tu peux le réaliser, tu le réalises. Et comme un travail, tu dois effectuer des tâches en fonction du métier que tu as choisi. Et après, tu évolues dans ce métier. Mais tu peux choisir aussi un autre métier. Tu peux en faire deux, en gros. Et c'est vrai. Et est-ce que c'est le point central du jeu ou c'est quelque chose qui... Parce que je sais que par exemple dans World of Warcraft, tu joues ton aventure, tu peux avoir des métiers, mais c'est un complément, je dirais, de jeu. C'est pas le cœur du jeu. Là, est-ce que c'est le cœur du jeu ? Un peu, oui, c'est un peu ça, oui, parce qu'en fait, t'as des quêtes en fonction de ton métier. Tu vas pas avoir des quêtes que tu trouves chez le chasseur, par exemple, que chez le pêcheur. Ouais, donc ça prend déjà une place assez, assez importante dans le cadre du jeu, alors. C'est ça, ouais. Mais t'as d'autres quêtes, quand même, que tu peux regrouper parce que tu rencontres d'autres gens, comme dans la vraie vie, quoi. Comme dans la vraie vie, tu rencontres d'autres gens qui vont te proposer, normal, comme d'autres... un peu comme des quêtes secondaires, quoi. Ouais. En gros, c'est ça. Mais pas par rapport à ton métier que tu as choisi. Moi, je pense que tout simplement, on va faire avec les outils qui nous entourent dans le siècle dans lequel on est. Il y a forcément une idéologie qui teinte les jeux vidéo comme d'autres médias. Et je pense que tout dépend de la manière dont on a envie de réfléchir ou non le jeu vidéo. Pour Paper Please, notamment, enfin, on peut se dire que c'est un métier, et en même temps, on est dans une critique d'un état totalitaire, d'une certaine manière. Effectivement. Donc, on peut se dire, ok, je joue à quelque chose, mais je réfléchis à ce que je fais. Il y a une notion d'éthique, il y a une notion de valeur morale. Tu peux jouer le gros dégueulasse qui va enlever l'électricité, la bouffe à toute ta famille. En même temps, tu dois prendre conscience que si tu ne le fais pas, tu tues d'autres gens. C'est moche, mais c'est une réalité dans certains pays. Et c'est vrai qu'il y a aussi, donc il y a cette partie-là. Je pense aussi à des jeux un peu plus historiques aussi, où à un moment donné, on va, je sais pas moi, dans Pharaon, on va se faire une certaine idée de l'Égypte. Dans d'autres jeux qui vont être en lien avec
le fonctionnement géopolitique, des choix qu'on va pouvoir faire, ou même des jeux historiques où on va décider de recréer l'histoire et de faire des choix pour pouvoir conquérir. Tout ça est très humain, en fait. Je pense qu'à travers le jeu vidéo, on a la possibilité d'être plusieurs humains à la fois, et c'est ça qui fait toute l'expérience de jeu. Thomas, une petite intervention ? Oui. On parlait de Paper Please tout à l'heure, et j'ai un autre jeu dans le même genre qui est un peu moins connu. Ça s'appelle Beholder, si je me souviens bien. Beholder. Et où on joue un concierge d'un immeuble dans un état totalitaire. Et on doit espionner les gens qui vivent dans l'immeuble, et on doit choisir ou pas de les aider. Soit, par exemple, il y a un personnage que tu peux choisir d'aider à s'échapper de l'immeuble et du pays. Et mais t'as des répercussions sur toi et sur ta famille. Tu peux perdre ton enfant, tu peux même perdre ta femme. Et oui, je me posais une question aussi. On a parlé de critiques de société dans Paper Please aussi. Mais est-ce que, par exemple, dans un jeu tout bête comme Euro Truck Simulator, par exemple, il y aurait pas aussi une critique derrière, une critique du fait que on peut se complaire dans l'ennui aussi d'une situation comme être un camionneur, par exemple. Oui, il y a peut-être ça. Ça dépend. Tu peux être. Moi, j'ai vu aussi des mecs qui rêvaient de devenir agriculteur, qui n'avaient pas la possibilité de le devenir, et qui attrapaient vers un jeu de tracteur. Enfin, il y a des millions de mecs qui ont acheté des jeux de simulation de tracteur, parce qu'ils rêvent de le devenir, pour certains. Et je pense qu'on oublie aussi qu'on apprend. On découvre des métiers aussi à travers des jeux vidéo, et c'est une manière de continuer à faire l'infirmière, ou à jouer à un travail qu'on ne fera peut-être jamais dans notre vie. Exactement. Éventuellement. Il y a trop d'études. Et pour ceux où il y a trop d'études. On arrive vraiment au terme de cette émission, les amis. Je vais du coup devoir arrêter ce débat là maintenant. J'en suis désolé. J'en suis triste. Ça a passé vite encore une fois. Alors, ce que je vous propose, juste histoire de souffler avant le quiz, une petite musique, Baptiste. Je te propose. Non, ça va faire juste. Alors passe au jingle quiz, et puis on va enchaîner avec le quiz à ce moment-là. Nous sommes de retour pour la toute dernière partie de l'émission sur Radio Campus Rouen. Donc on est dans le jeu en jeu. Donc partie détente, hein, on va faire un petit quiz, celui de la fin. Donc je vais vous proposer des questions qui sont en lien avec le thème, bien entendu. Soit en rapport avec le travail, soit en rapport avec la technique. Alors la première question. Il s'agit d'un jeu où votre compétence principale va être d'arpenter les rues en évitant des chiens, des poubelles, en évitant des cambrioleurs sur un vélo. Ah, c'est pas Paperboy. Exactement, Thomas, c'est Paperboy. Deuxième question. Il s'agit d'un jeu où la technique qui est requise, c'est l'approvisionnement d'une chaîne de production. Vous devez faire passer des cartons d'un endroit à un autre, mais pour autant, ce jeu vous apprend bien plus que ça, puisqu'il vous apprend aussi les bases de la programmation informatique. Aucune idée. Alors là,
puisqu'il n'y a pas d'idée, je vais donner la réponse. En fait, il s'agit d'un jeu qui s'appelle Human Resource Machine, donc qui permet effectivement de, à la fois d'apprendre un peu à gérer une entreprise, mais aussi toute la programmation informatique qu'il peut y avoir derrière un jeu vidéo, par exemple. On part sur une troisième question. La technique demandée du doigté, car chacun de vos doigts sera lié à une touche du clavier. Attention, ne tremblez pas, même dans une ambulance à pleine vitesse. J'en ai un, c'est Surgeon Simulator peut-être. Exactement, Thomas. Yes. Donc c'est un jeu où vous jouez le rôle d'un chirurgien et vous pratiquez des autopsies ou autre. Ok. On a encore le temps d'en faire quelques-unes. Ouais, on a encore peu de temps, oui. Celui-là, il est pas mal. Alors, suite à une invasion extraterrestre dans une station spatiale, vous allez mettre vos compétences à profit en matière de nettoyage, en lavant tout de la salle au plafond maculé de sang par ces gros dégueulasses qui jouent au FPS. Ah, je l'ai au bout de la langue. Il y a même eu un mode avec le Père Noël, je me souviens, celui-là. Ah, c'est pas impossible. Ouais. Ah, je me rappelle plus. Mince. Je vous donne la réponse. Bah oui. Oui. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Viscera Cleanup Detail. Donc, ça a été développé en 2015 par un studio qui s'appelle Runstorm. Encore un peu de temps. Ouais, on peut en faire au moins encore une. Peut-être deux, on va voir. Ah, alors là on est dans la technique pure, mais de la technique de joueur. Ah. Ce jeu dont le premier opus est sorti en 1983 sur arcade, mais vous l'avez connu sur console, a poussé les joueurs à développer une nouvelle technique de jeu, celle du briquet frotté. Tetris ? Non. Celle du briquet frotté. Ah, c'est pas le jeu avec... C'est un jeu de sport. Pong ? Non. Non. Vous l'avez pas connu sur arcade, mais sur console, et il y a eu plein d'épisodes, même sur les consoles récentes. Il peut y avoir du curling dans ce jeu. Je vous donne la réponse. Ouais. Il s'agit de Track and Field. Ah oui. Ouais, ouais. C'est une licence assez connue. Et pourquoi le briquet frotté ? C'est qu'en fait, il fallait alterner en cliquant sur deux ou trois boutons à la fois. Ah, d'accord. Mais vraiment de façon alternative. Et en fait, la technique qu'on avait adoptée, c'était de frotter un briquet à plat d'un bouton à l'autre pour gagner du temps et aller plus vite. Ah, mais oui, c'est ça, cette technique. Le pauvre clavier. Non, c'est surtout nous, on avait l'air idiots quand nos parents arrivaient derrière nous et qu'on était. Comme ça, en train de frotter, on pouvait s'imaginer autre chose. Voilà, bah sur ce, je crois que le grand gagnant de ce quiz, c'est Thomas, ce soir. Yes. Félicitations. Donc, félicitations. Merci. Thomas. Bravo, Thomas. Donc, à l'issue de toute cette émission, moi, je vais tous vous remercier de votre présence. Je vais remercier nos auditeurs de nous avoir suivis jusque-là. Et on va vous laisser en vous souhaitant une bonne soirée jusqu'au prochain dernier lundi du mois. Donc sur ce, à bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. Yo, check this out. Break it down.